De dialoguer, on est très très loin l'un de l'autre, vous portez un masque. Vous non. Moi non, je suis ici chez moi. Testé, j'ai pris l'avion ce matin, donc testé, fraîchement testé, donc il n'y a aucun souci. Donc je sais personnellement que je suis négative, chacun est libre. Vous êtes tout à fait libre de garder ce masque. Voilà, en tant que médecin, j'ai envie de vous poser la question du pourquoi vous le gardez. Enfin, aussi, par respect... aussi pour vous protéger. J'imagine que vous n'êtes pas vacciné. Je n'ai pas du tout envie de répondre à cette question parce que vous n'êtes pas mon médecin traitant. Ça relève complètement du secret médical. On a des chiffres. Moi, j'aime bien me baser sur des choses extrêmement concrètes. Et là, les chiffres sont très inquiétants. C'est quoi ces chiffres sur, par exemple, sur les effets secondaires, les remontées des effets secondaires. Globalement, dans le monde, il y a plus d'un million d'effets secondaires qui ont été signalés. Ce qui est en comparaison, c'est-à-dire qu'on a plus d'effets secondaires graves signalés en un an que tous les vaccins réunis depuis qu'ils existent, donc depuis plus de 30 ans. Qu'il y ait beaucoup de signalements, c'est lié au fait qu'il y a beaucoup de vaccinations. Donc il y a beaucoup de signalements. Mais les signalements ne sont que des signalements. Moi, je peux faire un signalement. Je peux faire un signalement. Donc, en fait, vous vous dites, comme il y a beaucoup de signalements... Si vous avez été vacciné, peut-être que vous avez dû en faire un. Moi, j'ai eu un peu mal au bras, mais bon. Non, mais ça sert rien. Voilà, on est d'accord que ça sert. Mais je veux dire, il y a beaucoup de signalements. Là, vous dites, il y a beaucoup de signalements, donc ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a beaucoup de signalements parce qu'il y a beaucoup de personnes vaccinées. Et pour l'instant, c'est ensuite le travail d'une enquête de définir si ce signalement, effectivement, est problématique. Une enquête qui s'appelle une enquête de pharmacovigilance. Mais elles sont faites. On a en France des gens qui font de la pharmacovigilance. Qui va prendre un tout petit peu de temps. Pardon, j'ai pas compris. En France, il y a des gens qui font des enquêtes de pharmacovigilance. La NSM fait son travail quand même. La NSM, j'espère que l'Agence nationale de sécurité du médicament va faire son travail jusqu'au bout. Pourquoi le Covid vous fait peur à ce point-là? Mais ça fait plus, ça fait plus de 100 000 morts quand même. Ça, vous pensez que le chiffre est faux sur le chiffre de 100 000 morts? Ah oui. Le chiffre est totalement faux. Ah. Si la France était aussi honnête que l'Espagne et que l'Italie, elle reverrait complètement ses chiffres à la baisse, puisque l'Italie était même au-delà des chiffres français. Et pour finir, ils ont reconnu
que les vrais chiffres étaient de 3 800 morts du Covid en Italie. Depuis quand ? Depuis le début. 3 800. Vous plaisantez là. Je ne plaisante pas. Bah, les Italiens ont pas. J'ai pas. Franchement, mais vous dites que vis-à-vis de ça, je n'ai pas du tout envie de plaisanter. Mais vous dites que les autorités officielles. Parce qu'on ment tellement aux Français depuis le début que véritablement, je n'ai pas envie du tout de plaisanter. Vous me dites que j'ai bien compris. Vous me dites que le gouvernement italien a reconnu qu'il y avait eu 3000 morts du Covid en Italie. 800. Vous en oubliez. 3800. D'accord. Donc le gouvernement italien a reconnu que le bilan. Dont le diagnostic principal, dont la cause unique. Du décès de la personne était le Covid. Le chiffre est de 3 800. Maintenant, ça, vous avez. Je suis désolé, mais c'est faux. Je peux pas. Enfin, je veux dire, le gouvernement italien n'a jamais dit ça. Ils n'ont jamais dit qu'il y avait 3 800 morts du Covid en Italie. Vous avez des convictions et ça se sent. Et je ne les remets pas en question. Moi, je suis sur des questions très factuelles. Sont, par exemple, les préconisations de votre collectif pour se prémunir du Covid. Et qu'est-ce que sont ces préconisations ? Alors, puisque vous les avez lues. Mais laissez-moi juste finir ma question. J'ai été attaqué, ça fait depuis un an que les médecins du collectif qui préviennent et qui soignent sont attaqués. S'il vous plaît, est-ce que je peux juste finir ma question ? Et après, je vous laisserai repartir sans problème. Mais c'est une question qu'on m'a déjà posée des dizaines de fois. On peut peut-être avancer. Vous êtes en train de dire au peuple français, en tant qu'élu et en tant que médecin, en gros, la vaccination, ce n'est pas la bonne politique. Et en revanche, la bonne politique, c'est d'avoir des traitements de prévention. Donc vous avez une responsabilité en tant qu'élu, en tant que médecin, de tenir ce discours. Donc c'est normal que je vous interroge là-dessus. Parce que qu'est-ce que dit votre collectif ? C'est que, évidemment, il faudrait prendre de l'hydroxychloroquine, on ne va pas revenir sur ce débat-là, mais qu'en plus de ça, il faut donc, pour se prémunir du Covid, il faudrait prendre des vitamines, pourquoi pas, des huiles essentielles. Ah, mais moi, je n'ai jamais parlé d'huiles essentielles. Je ne parle pas d'huiles essentielles. Donc ça, vous pensez que ça sert à rien ? Mais j'ai pas dit que ça servait à rien. Ah, d'accord, mais bon. J'ai dit qu'en prévention, une prévention globale, on n'est pas en train de réinventer la prévention face à l'épidémie du Covid. Mais dans votre collectif, il y a des gens qui défendent ça. Mais mes confrères qui sont dans le collectif, ils font ce qu'ils veulent. Dans votre collectif, des gens qui disent prenez un peu d'homéopathie pendant l'hiver et ça vous aidera à être plus fort. Ça gêne le gouvernement parce que le gouvernement a supprimé le remboursement de l'homéopathie. Parce que ça a été prouvé que ça ne marche pas. Toutes les études qui ont été faites montrent que l'homéopathie est un placebo. Vous ne pouvez pas recommander en tant que médecin l'homéopathie. Mais je ne recommande rien. Je trouve que vous avez un peu une pensée circulaire. Il me semble que vous devriez un petit peu prendre de la hauteur. Qu'est-ce que c'est une pensée circulaire ? C'est-à-dire que j'ai beau apporter des réponses, comme mes réponses ne vous plaisent pas, les réponses ne sont pas celles que vous attendez, vous reposez toujours et encore les mêmes questions. Ma réponse est très claire. J'essaie d'avoir des réponses à mes questions. C'est pas être circulaire, ça c'est faire mon travail. La réponse est très claire. Moi, je trouve intéressant, d'ailleurs, le rapport est pas loin. Il y a deux rapports qui sont extrêmement intéressants. Le rapport de l'Agence technique de l'information hospitalière, avec les fameux 2% de l'activité hospitalière en 2020, qui est à mettre et à rapporter sur l'activité Covid. C'est un chiffre qui est vrai. Il y a bien 2%. Il y a bien 2% d'hospitalisation due au Covid en 2020. Le chiffre est parfaitement vrai. Mais le problème, c'est que ça sous-estime complètement la gravité. C'est-à-dire qu'on peut être hospitalisé pour plein de choses. Parce qu'on va accoucher, pour des petites opérations. C'est pas grave, c'est pas une maladie, l'accouchement. Oui, c'est pour ça. Mais ça et compte. Le Covid, oui, mais si on avait soigné en amont, on n'aurait même pas eu 2% d'hospitalisation. Justement, mais laissez-moi finir. C'est qu'en fait, ça compte pour 2% des hospitalisations, mais ça compte pour 19% des journées d'hospitalisation en réanimation.
Ce qui montre qu'en fait, le Covid, oui, ça compte pour peu d'hospitalisations sur toute l'année, parce qu'il y a beaucoup de gens hospitalisés, mais que par contre, dans les maladies graves, dans les décès, le Covid a été très important. Et malheureusement, il y a énormément de gens qui auraient dû être hospitalisés, qui n'ont pas pu être hospitalisés, et qui sont décédés de toute autre chose par carence en soins. Parce que... Oui, mais là, je suis désolé, mais vous ne répondez pas à ma question. Non, parce qu'en fait, je vous montre répondre. Que c'est 2%. Moi, je vous parle de 19% oui, de journées d'hospitalisation oui. sur l'année. C'est énorme. Mais pas du tout. 19% des... par rapport à 100%. Et je peux vous dire qu'ils ont c'est été faits tous les placards. Sur une seule maladie. Mais non, mais sur pas une du seule tout. Maladie, 19% oui. des journées d'hospitalisation oui, en réanimation. C'est énorme. C'est au moins le double les maladies cardiovasculaires. C'est au moins le double. En réanimation Non, mais je ne parle pas de la réanimation. Mais là, moi, je vous parle de la réanimation. De la cancérologie. Nous ne sommes pas d'accord. Non, mais c'est pas une question d'accord ou pas d'accord, c'est des chiffres. Pour le fameux article débunkage, comme vous avez pris l'habitude de débunker, mais soyez un tout petit peu face aux réalités. Mais qu'est-ce qu'il y a de faux dans le débunkage à... Accepter que des spécialistes qui sortent un rapport de précis, extrêmement précis, 2% de l'activité de tous les services, 5% de l'activité des services de soins intensifs, des services de réanimation, n'allez pas gonfler les chiffres, ces chiffres sont réels. Bien évidemment, un patient Covid... Il reste plus longtemps en réanimation, c'est bien ça qui fait la différence, et qui meurt plus souvent que les autres. Okay, c'est pour ça que c'est un problème plus grave. Je vais prendre vos 19%. Oui. Je vais prendre vos 19%. 19% allez. Des journées d'hospitalisation oui, okay. en réanimation. Et les 81%. Ça vous paraît pas beaucoup. 81%. Et les 81% qui restent des journées d'hospitalisation. Bah, c'est toutes les autres maladies. C'est énorme oui, en fait. Bah, vous vous rendez compte du nombre de maladies énorme. Pour une seule maladie, 19%. Oui. C'est beaucoup. Vous savez quand même ça. Si vous avez étudié à ce point-là, vous savez que ce vaccin. Il a un peu du mal à protéger la personne et il a un peu du mal à limiter les contaminations inter-individuelles. La première partie était fausse, mais la deuxième est vraie. C'est... La première partie est fausse, c'est-à-dire qu'il protège très bien des formes graves du... Ça a été prouvé. Il protège très bien. Alors actuellement, malheureusement... Sur la contamination, je n'ai pas dit que c'était faux, alors, mais sur malheureusement, les formes graves... Vous avez appris votre leçon, mais c'est remarquable. Hein, c'est vraiment remarquable, mais à force de l'écouter, je pense que ça rentre. Hein. Alors, mais la réalité est tout autre. Je comprends que vous êtes médecin, enfin, vous êtes psychiatre, vous n'êtes pas épidémiologiste. Alors, Alors, j'ai un diplôme universitaire d'épidémiologie. D'accord. J'ai fait beaucoup de réanimation. Donc, vous pouvez dire l'inverse de tous les autres confrères que vous avez. Ah, c'est pas du tout l'inverse. Mon travail, c'est pas d'être médecin, c'est d'interviewer des gens oui, qui sont spécialistes. Alors... Chaque semaine, je suis en relation avec des confrères à l'international. J'ai le retour malheureux de ce qui se passe en Israël. Et la réalité en Israël, c'est que toutes les personnes hospitalisées aujourd'hui en état grave ont toutes été vaccinées. Je suis en contact avec des médecins israéliens en direct. Je ne suis pas en contact avec des médias qui ne font que mentir et qui ne font que aller dans la propagande du gouvernement. Donc je suis en contact direct avec mes confrères. Mais nous aussi, notre travail de journaliste, c'est de parler avec des médecins israéliens. On le fait, très régulièrement. Bien, mais bon, on n'a pas les mêmes sources. On n'a pas les mêmes contacts. Notre travail, c'est pas simplement de parler au gouvernement qui nous donne des informations. Hein. Vous savez, nous aussi, on passe des coups de fil à des médecins israéliens, qui en général nous donnent pas la même.
en gros, comment on fait Nickel. Du coup... Vous avez des noms? Si tu voulais, je pourrais vous ressortir les noms. On a fait des sujets. Regardez sur France Info, on a fait des sujets avec des médecins israéliens. Très intéressé. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui sont en réanimation et qui ont été vaccinés. Hein, parce que forcément, quand on a vacciné une grande partie de la population, ils ne protègent pas à 100%. Mais on va, voilà, on n'est pas d'accord sur ces chiffres-là. Non. On n'est pas d'accord. Mais... J'aimerais bien que les médias m'invitent. Je suis censurée. Je suis censurée depuis avril 2020. Je suis censurée sur les plateaux télé depuis avril 2020. Et moi, je ne suis pas médecin. Donc moi, ma façon de savoir si quel conseil on doit donner à travers les médias aux gens dans le domaine de la santé, comme je ne suis pas médecin, je vais aller regarder ce que disent les spécialistes et quel est le consensus scientifique qui se dégage. Les spécialistes qui ont des liens d'intérêt, des conflits d'intérêt. Mais vous avez l'impression d'évoluer un peu. Regardez tous ces médecins. Regardez le quantum de conflits d'intérêts des médecins membres du conseil scientifique. Donc tous les gens qui travaillent dans le domaine médical et qui vont à l'encontre de vos positions, c'est-à-dire la quasiment intégralité du corps médical, sont... Mais absolument pas. Je questionne les conflits d'intérêts. Je n'en ai aucun. Je suis extrêmement prudente parce que l'imputabilité des décès par rapport à dire que c'est la cause et le vaccin, bien évidemment, quand ça intervient dans un délai très très rapide, qu'il n'y avait aucun antécédent chez la personne, surtout si c'est un adulte jeune, ce qui malheureusement est arrivé notamment avec Maxime Beltrame, hein, ce jeune homme qui avait été... dans les médias, tout de suite, on a dit « mais non, en fait, il était allergique à la cacahuète ». Et en fait, le papa ayant demandé une autopsie, son décès quelques heures à peine après l'injection est complètement à mettre sur le dos du vaccin. Ça n'a pas été, à ma connaissance, ça n'a pas été prouvé. C'est-à-dire que le lien n'a pas été établi. On a une autopsie. L'autopsie n'a pas déterminé que c'était lié au vaccin. Non, mais quand on fait une péricardite foudroyante dans les quelques heures d'une injection, je pense qu'il est légitime, surtout chez un jeune homme de 22 ans qui était en parfaite santé, qui n'avait aucune comorbidité, je pense qu'on est, en droit, et les parents sont en droit de se poser la question, surtout que ce jeune homme, encore une fois, à part la nécessité de se faire injecter, pour prendre l'avion, parce qu'il partait en vacances, il n'y avait aucune raison. Non, on est en droit de s'interroger, et c'est tout à fait normal de s'interroger. Mais comme vous disiez qu'il y avait un lien un peu avéré entre la vaccination et sa mort, en France, pour l'instant, il n'y a aucun lien avéré entre une mort et une vaccination. Ça ne veut pas dire que la possibilité n'existe pas. Se poser des questions, c'est bien, mais on ne peut pas dire que c'est avéré. C'est statistiquement, sachant que quasiment toute la population française est en passe d'être vaccinée, on est à plus de 70%. Forcément, il y a des gens qui vont mourir après vaccination. C'est parce que les gens meurent.